Ok, c'est Fraps. On tient le coupable. Fraps, c'est tu es le coupable. Tu es celui qui fait en sorte que le son du jeu devient moisi. Par contre, je sais pas. Bah, comment je peux faire? Je tiens le coupable. J'ai un autre logiciel de... J'ai un autre logiciel pour filmer. Ok, je peux pas les supprimer, bizarre. Je peux tenter avec Open machin, hein, avec OBS. On va voir ce que ça donne. Je pense pas que ça va être fameux. Ok. Fire Emblem! Pest of Regents! La cinématique de début de jeu! Et salut à tous et à tous, ici Super Canon, c'est Appelé ça, et on se retrouve sur Fire Emblem! Pest of Regents! Le Fire Emblem numéro... Alors, c'est le numéro, le numéro 11, Pastel Ranger, c'est le numéro 11, c'est le premier, et je crois le seul Fire Emblem sorti sur Gamecube, avec comme héros, le tout puissant Ike, celui qui a tout fini premier dans le, alors, dans le pool, donc dans le sondage des personnages préférés des gens, Ike a fini premier et cinquième. Rien que ça, il a fini deux fois dans le top 10 parce qu'il y a le Ike de Pass of Radiance et il y a celui de Radiant Dams. C'est même pas ça, c'est Radiant Dam. Radiant Dam, voilà. C'est la suite en fait, c'est le jeu sur Wii. Donc, recommencer bien évidemment que non. Nouvelle partie. Ah oui, c'est vrai, c'est parce que j'ai lancé le jeu une fois, du coup, il croit que, voilà. Le prologue, juste pour un test son, voilà. J'avais testé le jeu pour le son et le son se respecte. Il est mieux que sur Donjon sur Mario Kart, on va pas se le cacher. Et j'ai un nouveau micro, ça s'en sent peut-être. Qui est moins bien je crois que celui que j'avais avant. C'est la seule raison pourquoi je fais ça. C'est parce que le micro que j'avais d'avant utilise un port USB, là non. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour joueurs connaissant déjà l'univers Fire Emblem, je connais Awakening, je connais Fate, c'est pas pareil, le jeu Fate et Awakening sont beaucoup plus faciles. J'ai pas de beat, j'ai pas de couilles, je suis en facile. C'est Radiant Dam, écoutez,
Bon, le son un petit peu dégueulasse, mais ça va encore. Hein. Well, Ike, you had enough? Dad! Ike! Oh, missed. T'es zéro. Mercenaire. Donc voilà. C'est sympa hein. C'est sympa hein, putain. Et je crois que ce jeu est avec Tales of Symphonia l'un des plus beaux jeux GameCube. Sérieusement, je trouve ça super beau. Même alors que ce jeu il doit avoir 10 ans. Allez, une dizaine d'années, mais il est super beau. La GameCube c'est vraiment une console de ouf. Est-ce que ça va? Aïe. Oui, je vais bien. Putain mais aïe quoi, il commence comme ça le perso quoi. Et on aura bien évidemment le I Threat for my friend, évidemment hein. Ça vient de ce jeu forcément. Ah il était temps que tu te réveilles. Dit-il avec un son pas du tout de daron. Papa ne sois pas si sévère. Je sais qu'il est au courant de s'entraîner selon ses méthodes. Mais tu n'as pas le droit de traiter Ike comme ça. Alors il y en a certains ils disent Ike. Non, on dit pas Ike, on dit Ike. On le prononce à l'anglaise, c'est Ike, c'est pas Ike. Ike, ça veut dire allez, go, on avance. C'est, tu vas pas l'appeler Ike, Ike. Ça n'a pas de sens. Tu vas pas dire en avant Ike. Voilà. Donc, on prononce ça Ike, pas Ike. J'ai déjà entendu ça, ça m'a. J'étais en mode quoi? Non, on prononce pas ça Ike. Enfin, prononcez-le comme vous voulez. C'est comme Rigigigas, y a 20 000 façons de le dire, Aquedza aussi, t'as 20 millions de façons de le dire. Bref, dites-le comme vous le voulez, je dis juste que moi je le dis Ike, pas Ike, bref, je prononce pas la japonais. Il ne se peut pas encaisser l'entraînement, jamais il ne se pourra devenir mercenaire. Ah oui, Past of Radio, je crois que c'est l'un des rares jours où il n'y a pas un lord en héros principal. Maist, ne t'en fais pas, je t'assure que je vais bien. Ok, alors la ligne des dialogues par contre il faudra clair. À la bonne heure, dégaine ton épée et mets-toi vite en position de combat. Quoi? Mais ne dis pas que vous allez remettre ça, ce n'est pas possible. Je me battrai jusqu'à ce que mon épée le touche. Bon alors ma bite. N'abandonnerai pas tant que je l'aurai asséné un coup digne de ce nom. J'admire ta détermination Ike. Ah ouais, par moment le son devient pas en couille. Mais il faut bien qu'une volonté de faire pour hein. Oula. Ouais alors par moment le son il part en couille hein. Je suis désolé, j'y parle. Ah, je savais que je vous trouverais ici. Bonjour Bold. Boyd. Boy avec un D à la fin, donc Boyd. Qu'est-ce qui t'amène?
Oh, RNP spécial, tu as dit que tu allais chercher le chef comme tu tardais à revenir. Tu venu voir ce que tu faisais. Bah. Alors sachant qu'il n'y a pas encore les persos de Post of Radiant et Radiant Dan dans Fire Emblem Heroes. Hein. Alors que Ike a fini premier, tu peux pas encore avoir Ike. Je suis pas sûr, hein. Ike, je crois qu'on peut l'avoir, mais je suis pas sûr. Non, même pas, je suis même pas sûr qu'on puisse l'avoir. Je crois qu'il y a les persos de Blazing, Biding, Fate Awakening, Mystery of the Emblem, Holy Wars, Genealogy Holy War et Sacred Stone, donc 7. Donc il en manque encore. Il en manque, il manque Radiant Dam et Past of Region. Il manque Stracia 766, qui est le troisième. Alors je me suis trompé. Holy Wars, c'est le quatrième. Moi je disais que c'était les 7-8. Non, Sacred Stone, c'est le 9. Je connaissais pas du tout Holy Wars. Hein. Ah désolé, j'ai juste été retenu par Ike et Papa. Bah c'est pas grave. De toute façon, je voulais en profiter pour regarder Ike se faire massacrer par le chef. Putain, mais le perso Ike, quand tu le vois, il est god tier quoi. Quand il arrive, on dirait un daron. Là, il fait un peu pitié, hein, je l'avoue. On dirait que tu as encore un seul morceau. Qu'est-il arrivé? Rien du tout. Je suis navré de te décevoir. Tu as tout manqué. Il y a une minute à peine, il était allongé par terre. Vraiment, les cinématiques de ce jeu sont magnifiques. Bon, celles de Fate et Awakening sont du même niveau. Hein. Elles sont très belles aussi, même si c'est de la 3DS. Voilà. Mist, Maest ou Mist? Alors, il l'a dit dans la cinématique, mais j'ai dû oublier. Ah, désolé. Tu arrives à pas nommer Bold. Tu vas t'entraîner avec Ike. Quoi? Moi? Oui, je commence à croire que ce serait mieux qu'il se batte comme quelqu'un de son niveau. Je comprends. Hein. Merci pour ton aide, Bold. Bien, j'ignore ce que quelqu'un de ton niveau signifie, mais j'accepte. Très bien, je t'attends, allez approche. Alors comment se joue un Fire Emblem? Au cours du jeu, des fenêtres telles que celle-ci s'agiront pour vous servir d'un guide. Dans ce guide, Anna vous explique. Anna, oui Anna, c'est le perso qui apparaît dans tous les Fire Emblem. Là dans les crossovers alliés. Vous pouvez accéder aux anciens. Non, juste pour vous parce que moi j'ai joué à Fire Emblem. Au pire vous regardez les vidéos Fire Emblem Heroes. Non c'est même pas un bon exemple en fait. Fire Emblem Heroes c'est un mauvais exemple parce que les maps sont très petites. La première chose concerne les distances franchissables. La distance franchissable c'est le maximum où tu peux avancer mais bon. Ah les moches Anna. Ah c'est quoi ce pif? Il s'agit d'un maximum. Pourquoi j'ai dit oui putain? Appuyez sur... Oh, putain... Mais t'as cru que je savais pas jouer à Fire Emblem? T'as vraiment cru ça? Franchissable, allez, souvenez-vous-en... Je suis pas un mongol! Enfin si, un peu, mais... Chut! Putain, mais... Voilà, c'est le tuto. Tu sais pas... Non mais... Quelle espèce d'abruti ça aurait pas faire déplacer un perso? Mais non, j'ai compris, putain. Très bien, allez, approche-toi. Alors voyons voir ces zones de déplacement. Ok, donc ça, de toute façon, je vais m'en prendre une. Je t'en fasse devant moi. Phase ennemie. Sachant qu'il y a un ennemi. Mais à qui vas-tu jouer? Allez, attaque-moi. J'arrive, reste où tu es. Ah ouais. Ok, de toute façon, il se déplace pas. Combat direct, j'ai compris, tu le fonces dessus, tu vois. Ah non, c'est... Ah non, ça se joue comme ça, ok. Parce que moi, je suis un nouveau, hein. Moi, dans les nouveaux, tu touches le mec, tu peux le frapper. Ah, tu peux bousculer, ça c'est aussi dans les anciens. Bah, c'est aussi dans les nouveaux. Bousculer, en fait, ça te déplace d'une case. Alors, il peut être bon, hein. Tu choisis l'arme, ok, je lui inflige 18 dégâts. Non, 8 dégâts et j'ai une précision de 8. Par contre, il m'inflige plus de dégâts. Ok. Alors, de toute façon, je suis obligé de le frapper. Tu peux y arriver. Bon, n'a rien dans le ventre. Écrase-le. Rien dans le ventre. Mais... Ah ouais. Ou alors, j'ai confondu. Il m'a infligé 8 dégâts. Je crois que j'en ai infligé 9. Non, c'est pas ça. Ah, le combat n'est pas terminé, ce n'est que le début. Attends, j'ai mal lu. Mais non, on te dépasse pas.
Pourquoi ils toussent? Non, je lui afflige 11 dégâts. Non, j'ai pas compris. Ah non, les points de vie, c'est... Non, ah ok, le bleu c'est moi, j'avais compris l'inverse, très bien. Donc je lui inflige 9, il m'en enlève 8. Donc là je vais le tuer. Très bien. Faut pas confondre. Bah il m'a frappé. Bon ça c'est à l'ancienne, hein, 100 points d'XP pour gagner un niveau. Tu t'es bien défendu. Boyd, en combat tu ne vaux pas un clou. La ferme. Bon travail boss, c'est assez maintenant. Oh. Oh très bien, bon y aller. Changer de... Ah, changer de niveau. Tête pique à l'épée satisfaisante. Ah, n'oublie jamais ce combat. Les prochains ne sont pas aussi faciles. Je sais. Maintenant que tu t'es échauffé, il est temps que tu m'affrontes. Ah, j'ai cru que t'allais affronter ta fille. Ça serait marrant. Mais coup d'épée. J'espère que tu diras... J'espérais que tu dirais ça, mais avant, Maist. Tout de suite. Ah. Ah, voilà. Ah non, j'ai cru... Ah, va me soigner. C'est pour toi, Alex, c'est une potion. C'est une potion. Je te conseille vivement de l'utiliser avant de continuer à te battre mon papa. La dernière fois, tu as bien fait une pute relevée. Allez, on va taper le daron. Parce qu'il est bien dans ce variant, mais c'est... Bah non, dans tous les anciens, il y a ça. Dans les nouveaux aussi. Les techniques, voulez-vous savoir prendre une potion? Ah, tu m'as pris vraiment pour un gland. Objet, potion, utiliser, voilà. Rien de bien surprenant. De toute façon, il bouge pas. Prépare-toi avec, j'arrive. Ah, c'est là. Ah. Ah. Il a plus de points que moi et j'ai pas vu combien il infligé. Mais le paquet. Il m'en inflige 6. Ah de toute façon je vais passer de niveau plus. Allez mon garçon, veux-tu réussir à me résister cette fois? Il est niveau 10. Il pue la merde. Alors je lui ai infligé 9 dégâts, il m'a infligé 6 dégâts. Alors faisons attention. Ah vous savez hein, la meilleure stratégie c'est encore la contre-attaque. Hein. Hey, je t'ai baisé. Allez attaque moi. Et là il m'affiche plus coup critique. Bra. Et allez, comme ça je passe niveau 2. Changement de niveau. Niveau 2. Waouh. 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 Plus 1 en résistance. Il était déjà à 0 en résistance. En gros contre un magicien il se faisait laminer la gueule. Bon allez, battu. Sa mort. Je pose mon épée par terre. Et j'ai fait... Genre que tu m'as fait mal. Je t'ai mis en PS. Parce que je pense... Allez, niveau... niveau 3, voilà la stratégie les gars. Plus 1 en attaque, plus 1 en vitesse. En point de vie. Waouh! Eh, faut l'arrêter, c'est une machine là. En deux niveaux, il a gagné 3 points de stats. Hein. Oulala! Ah, t'as été génial! Père, tu ne m'as pas donné à... Tu ne t'es pas donné à... Père! Ah, c'est sa sœur! Ah, oh, merde! Ah, merde! N'est-ce pas? Comment? C'est vrai? Si tu peux voir la différence, ça veut dire que tu t'améliores. Bon, y'a rien qui y ressemble. Le mec, il pousse les gens pif. Hein. Tu sais, moi non plus, je me suis pas donné à fond. Je te crois pas. Alors, père, vas-tu enfin admettre que je suis prêt? Pour te rejoindre le groupe, pour travailler? Oui, Boyd se bat déjà sur le champ de bataille. Je suis prêt, mon entraînement a suffisamment duré. Écoute, la différence entre toi et moi, c'est que moi je suis un pro. Un professionnel qui vient de se faire battre. Il a eu ça, de la chance, voilà tout. C'est ce qu'on dit. Un point pour toi, Ike, soit. À partir de demain, tu travailles comme mercenaire. Vraiment? Mais si tu me déçois, tu dois retourner t'entraîner, il va falloir que tu redoubles d'efforts. Ne t'en fais pas, sous peu, j'aurai rattrapé tout le monde. Nous verrons bien, pour l'heure, nous ferions mieux de retourner au fort. On doit nous attendre. Alors je sais pas comment, est-ce que, comment va être le hub? Y'a pas de hub. Y'a pas de hub.
Le hub, c'est le, en fait, c'est pour sauvegarder, pour voilà, faire des achats. Voilà, le, la map, quoi. Non, y a pas de hub. On s'en bat les couilles totalement. Chapitre 1, premières armes. Non, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Très bien. Toujours bien de savoir qu'on s'en bat les couilles. Ah, ben si, y a un hub. Fort des mercenaires. Parce que bon, j'aimerais m'arrêter là. Cette première vidéo sur Fire Emblem Pastor Regents. Ah, Titania, je la connais, elle a craqué. Le mec il reconnaît. Oh, elle est craquée. Bonjour, Ike, aujourd'hui c'est ton premier jour dans la peau d'un soldat professionnel. Oui, et je suis prêt. Tu es enfin, tu es en retard, les autres étaient prêts dès l'aurore. Désolé, je te jure de me lever plus tôt la prochaine fois. Alors en quoi consiste ma première mission? J'étais justement en train d'en discuter avec Titania, va nous attendre dehors. Entendu. Très bien, commandant Gray. Pouvez-vous continuer? J'étais en train de me dire qu'on avait demandé de nous occuper d'un groupe de bandits, c'est ça? C'est exact, cette requête vient d'un village voisin. D'après notre rapport, ces bandits ne sont pas si forts que ça. Le mieux serait que j'aille en juger par moi-même. Je voudrais amener Oscar et Boyd avec moi. Justement, les frères... Laisse Ike se joindre au groupe. Shino, Gatori et moi, nous pouvons accomplir les deux autres missions. En un tour de main. Titania, je place Ike sous ta protection. Alors, une petite question bidon, mais... qui a peut-être aucun rapport. Titania, ça vous rappelle rien? Voilà. Vous aurez peut-être une réponse au prochain épisode. Voilà. C'est ça du métier, ok, d'accord. Viens, ah, il est temps de partir. Parce que je sais pas, cheveux rouges, Titania, ça a un peu beaucoup de rapport avec un autre personnage de. Un personnage de manga, je dis rien. Très bien, ma première mission. Ah, c'est une chevalier en plus. Titania, tous les préparatifs sont terminés, nous sommes prêts à partir. Excellent, tu peux toujours compter sur. Je peux toujours compter sur toi, Oscar. Oscar! Et moi alors, je suis prêt pour un peu d'action. Vraiment, boy, c'est une surprise. Ah, on a compté d'aujourd'hui, je vais être un autre homme. Parce que je me suis fait latter les couilles par Ike, et vraiment, ça, c'est à ton. Je vais être un modèle de perfection. Après tout, je dois montrer l'exemple à Ike. Je te prends au mot. Tu as décroché ta première mission, et je sais que tu attendais ce jour depuis très longtemps. Tu es plus nerveux, Ike. Je crois que j'étais plus nerveux hier soir, je n'ai pas fermé l'œil de toute la nuit. Mais ça va maintenant, bon, c'est peut-être le cas avant qu'on ait la tempête. Tu devrais te détendre, dis-toi ce que tu ne pars pas tout seul. Oui, tu as raison. Bien, tout le monde est prêt, en route. Bon, par contre, j'aimerais sauvegarder et m'en aller parce que le... C'est pas que le modèle de vitesse des dialogues, c'est lent. Caldea. Bon, laissez-moi vous expliquer la situation. C'est une carte de Caldea. Ces villageois ont fait appel à nos services pour chasser des bandits. Nous sommes les points bleus qui se trouvent juste là. Les points rouges sont les bandits. Waouh! Bizarrement, je m'en suis pas douté. Je crois que les rouges, c'était nous. On est tellement des gentils qu'on serait rouges. Ils sont pas très nombreux, mais vous devez rester prudent. Le bandit posté devant le bâtiment nord est le chef de la bande. Coucou, c'est moi. Et j'ai une hache. Notre mission consiste à le vaincre et à reprendre le contrôle du bâtiment qu'il occupe. Ok, rien de compliqué. Ike, écoute-moi, vu que j'ai plus d'influence que toi, je peux te donner quelques conseils. Tout d'abord, évite de te ruer sur l'adversaire sur les deux blessés. Ne t'inquiète pas, Ike, en cas de danger, tu peux pour nous, bah, dire, tu dois compter sur nous. Tant que tu seras attentif au moindre déplacement de l'ennemi, tout ira bien. Vois ça comme une mission d'entraînement. Compte sur moi, Oscar, bon. Montez sur moi, Oscar Boy, merci de votre rôle. C'est tout naturel. Regarde et admire comment un professionnel gère la situation. Mais te la pète pas, tu vas mourir dans la première mission de la... Parce que je vais te chier comme un putain de babouin. Assez merveilleux, vous trois, nous avons du petit pain sur la planche. Phase du joueur. Non, visiter, bon ça j'avais compris. Ouais, mais... Voilà, donc on continuera
Y a pas putain de truc option pour non. Ça c'est un ça c'est pas très bien. Y a pas de putain d'option pour changer. Alors déjà pour le voir changer le dialogue du jeu, il faut c'est selon la console en fait. C'est selon la console en fait. Là je suis sur un émulateur, donc si ton émulateur langue de système est en anglais, t'as le jeu en anglais. Et c'est dommage, moi j'aurais bien aimé avoir des options dans le jeu, genre pour modifier modifier la vitesse des textes, quoi, c'est lent quoi, c'est chiant. Bon, enfin bref, on se retrouvera bientôt pour une autre vidéo de Fire Emblem Pastor Regents. Donc d'ici à portez-vous bien, c'était Super Canin, à vous les studios.